Et bienvenue en live avec la Frogette TV, c'est Luciano Hugo pour vous shootcaster la troisième partie, enfin la deuxième partie, entre Navi et MTW. Alors du coup, en termes de score, je sais pas trop quoi mettre. Il y a 1-0 pour MTW, il y a la game 2 qui s'est jouée juste avant, qui ne s'est pas finie parce qu'il y a un petit problème de save. Donc peut-être que les joueurs y reviendront juste après. Et pour le moment, donc il y a toujours 1-0 pour MTW. Et puis on verra comment, voilà, on verra comment ça se passe. Navi qui est au first pick. C'est la troisième manche donc. Ça va être un gros bordel tout ça. Mais il y a 1,5 à 0 pour MTW. MTW qui je pense a gagné cette la game 2, mais on verra. Enfin c'est un petit bordel tout ça. Donc ah merde, on aurait pu inviter Funzy ou Hashtung Daikoro. On aurait bien voulu venir. Ce sera pour la prochaine fois. Il était trop occupé à faire un deal avec les navis pour partager le cash price. C'est ça, il était beaucoup trop occupé. Alors, d'ailleurs, je vais lui dire, je te laisse commenter tout ça. Donc là, je vais prendre le virage à droite, tenter de turtle pour garder un maximum de temps mon bonus vert. Là, je vais prendre le bonus vert, hop, je vais retourner jusque dans le rond bleu tout en haut, faire grossir mon adversaire. Hop, là je prends un virage et je gagne la victoire. Ce qui m'amène à 48 points malheureusement. Marsu ayant 50 points, c'est lui qui remporte cette partie d'Artung Creux. Bravo à lui d'ailleurs, Mais il marque ferme-la! 87. Bah tu m'as dit de continuer. Oui, mais non, mais enfin, je sais pas, essaye de faire un truc sérieux. C'est Navi contre MTW, game 3. Mais Je attends, te j'ai demande initié de ma game commenter. d'Artung Creux moi. Bah non, c'est fini. Maintenant, je vais pouvoir vous parler un peu de cette game entre Navi et MTW. Donc, qui va commencer d'ici quelques instants. Donc, les bans, vous les avez sous les yeux. Le first pick, il est pour Navi dans cette game-là. Ils ont essayé de retirer le Syllabaire, l'Invoker et le Rubik. Tandis que MTW ont décidé de retirer la Naga Sirène, le Darkseer et le Leshrac. Du coup, pas mal de héros disponibles. Je pense évidemment à Slikan qui a été le first pick. Par Navi, probablement le héros qui, dans l'histoire de Dota, a été le plus ban, enfin de Dota 2, pardon, a été le plus ban en compétitif, puisqu'il apparaît très très rarement. Et mon dieu, ce début de draft est une horreur, est une horreur. Que des héros les plus horribles à jouer contre, tous plus horribles les uns que les autres. MTW qui a donc répondu avec Tinker plus Furion, deux héros qui dont le but principal est de push partout. Simplement le Tinker avec ses Boots of Travel et ses March of Machine, le Furion avec son ulti et ses Tréants. Et Navi répond avec quoi? Bah pourquoi pas une Broodmother? Bah oui, pour aller avec un Lycan, c'est vrai que c'est parfait. Deux héros qui servent finalement à une seule chose, c'est à occuper une ligne comme des idiots, et quand on les oublie, ils vous prennent bah, des tours, et s'ils vous ne prennent pas vos tours, ils vous prennent vos racks. Donc un début de pick très très sale des deux côtés. Venomancer ensuite pris par Navi. On a vu qu'ils aimaient bien ce support. Il a même été fini par être ban tout à l'heure par MTW, mais c'est le héros qui joue quasiment tout le temps en tant que support. Alors que MTW a pris le Sand King pour pouvoir gérer la brood. Alors on va voir comment les deux équipes vont finir leur pick. Il faudrait, je pense, surtout côté Navi, des héros pour peut-être faire un peu la liaison entre ces héros qui sont un peu AFK push, comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'ils vont surtout occuper des lignes et tenter de prendre des tours. Et s'il n'y a pas vraiment d'héros pour faire la liaison, pour mettre de la pression sur les autres lignes, bah, il suffit de prendre un héros qui est AFK, comme par exemple le Sand King, qui pourrait rester AFK contre la brood et ne jamais conseiller sa tour. Par contre, s'il y a un héros qui peut lui décaler dessus et lui mettre la pression, et bah, à ce moment-là, la brood peut en profiter pour prendre la tour. Qu'il faut un solo mid qui puisse peut-être un peu bouger pour un avis derrière et pour MTW c'est peut-être plus ou moins pareil même si j'ai le sentiment qu'ils vont quand même mettre ce Tinker au mid puisque la brood elle devrait se tenir sur la ligne top, la hard lane des navis et MTW devrait décider d'envoyer le Sand King solo contre cette brood puisque en 1v1 pur et dur le Sand King se débrouille plutôt pas mal face à cette brood jusqu'à ce qu'elle puisse sortir un orchid pour l'embêter mais à ce moment-là le Sand King a déjà tout le stuff du jeu. Donc tout va bien, Navi qui retire le KOTL et la Windrunner, la KOTL qu'on a beaucoup vu décidément dans ce tournoi, qu'il soit banni ou pique, on l'a quasiment vu apparaître deux games sur trois. C'est Alors, vraiment sympa de voir ça. petite chose, vous avez une clé à gagner, je vous invite à vous dépêcher parce que Hugo, j'ai essayé de trouver une fenêtre, mais Hugo est complètement insupportable et quand il parle, il ne s'arrête pas, donc je vous invite à me contacter pour me dire qui va gagner, en combien de temps pour espérer gagner une clé Dota 2 tout simplement, puisqu'il y en a une de mise en jeu sur cette game 2,5, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, M. Luciano sur le chat, pour espérer gagner une clé tout simplement.
Non, mais ce qu'il faut voir, c'est que les deux équipes ne s'embrouillent pas du tout, hein. Au contraire, ils discutaient, ils rigolaient entre eux dans le chat. C'est pas le problème, c'est pas avec les, je ne prévois aucun problème entre les joueurs, peut-être plus avec les administrateurs, Voilà. puisque bah parce qu'on doit trouver un gagnant et on doit trouver des règles qui ne désavantagent personne. Il n'y a aucun problème entre ces deux équipes, bien au contraire. Alors, Navi qui a décidé de prendre l'air, l'énigma, ce qui nous vient un peu à nous poser la question, est-ce que le Lycan sera dans les bois? La réponse est probablement non. Là. On verra plutôt probablement l'énigma dans les bois. Le Vélomoteur qui devrait être en ligne du coup avec le Lycanthrope. Et MW a décidé de prendre l'Enchantress, sachant qu'ils ont déjà mis le Sand King Top. Ils vont probablement partir avec Enchantress plus Tinker plus quelque chose d'autre à envoyer en bas. Voire même peut-être qu'il avait fait une fois Enchantress plus Furion plus un héros à mettre sur la ligne. Et en fait, ces deux héros dans les bois viennent avec leurs invocations derrière la tour, viennent tuer la vague de cris des Na'vi derrière la tour, pendant que le héros qui est sur la ligne, lui, s'occupe de casser la ligne de tour. Et sachant que bah, Na'vi finalement a un Lycan et un Enigma qui vont pas être très très utiles avant d'avoir un peu plus de level, même level monture finalement, et bah, il pourrait très bien décider de partir sur cette strat très agressive pour faire tomber rapidement les tours des Na'vi et enlever pas mal d'espace de farm au Lycan et à l'Enigma. S'il considère que le Sand King s'en sort bien contre la Brood, ça devrait aller. Et donc le solo mid qui sera pris pour les Na'vi, ce sera l'ancienne apparition, qui sera donc jouée par Dendi, dont le but va être vraiment d'essayer de spammer les ultis à gauche à droite et mettre un maximum de pression sur les lignes des NTW. C'est pas une mauvaise idée, hein, si on considère par exemple le Sand King contre la Brood, le Sand King qui va beaucoup bouger, qui pourrait du coup pas mal se faire harasser par la Brood, et il pourrait succomber une fois de temps en temps à une surprise de l'ancienne apparition, un petit ulti qui viendrait le surprendre. Mais globalement, une line-up assez statique, hein, des Na'vi, il n'y a pas vraiment de héros bah, bien mobiles quoi, qui puissent se balader à gauche, à droite. On a deux gros farmers, le Veno qui est pareil, un héros assez statique, qui a besoin un peu de temps pour mettre ses wards en place, il peut quand même venir gang, mais c'est pas le meilleur pour ça. Et l'ancienne apparition, donc un héros assez immobile qui. Bah, qui est global avec son ulti, mais c'est tout. Et on va voir ensuite qu'est-ce que décide de nous prendre MTB en dernier, qui va un peu nous indiquer si... Storm. Storm. Donc je pense que c'est Tinker en bas avec Furion plus Enchantress dans les bois. Comme il nous avait fait une fois. Le Storm du coup se retrouvera sur le mid et le Sand King top. C'est ce qui est logique. Ou un Furion, mais... Un Furion, faut dire. On va voir qui va prendre le Furion au final. Ça va Pas nous mettre mener un tout de suite furon Harley. là-dessus. Non, leurs trois laners c'est Sand King, Bah, s'il Tinker décide de faire Sand King et Tinker, Storm. par exemple, avec un Sand King qui roam beaucoup. Ouais, mais dans ce cas, comment est-ce qu'il gère la boule? Bon, au début de partie, t'as besoin de la gérer là. T'as besoin de la gérer à partir de niveau 5-7 quoi. Là, il faudra que le Sand King arrive, il sera niveau 3, il aura son Sandstorm et hop. Ouais, Abracadabra. écoute, on verra comment est-ce qu'ils vont se débrouiller. Frenzy au Ouh Storm, là là. oh, ça fait Oh plaisir. alors, une smoke Soxon utilisée Tinker. mais direct par Navi, hein. Ils vont Roshan. Ils vont Roshan. Ils vont probablement peut-être faire Roshan avec les loups du Lycan qui pourront être transformés assez vite en Eidolon. On va voir quels sont les sorts qui sont pris, hein. Si c'est par Tinker. exemple l'incapacitating bite sur Abroadmother, qui est très fort au final contre un Roshan, parce que je vous rappelle que ça ra rajoute combien? Enfin 10%, ça a été nerf, dès le début c'était 25 au début. Oh, attention, le Storm est juste au-dessus. Hein. Le Storm est juste au-dessus, il va Oh peut-être les putain, voir. il Oh va bah les du coup, ils cramer. vont le tuer. Ils vont juste le tuer Oh à non. moins qu'il arrive à se retourner. Au bon moment, la scène qui n'a toujours pas été changée par le streamer, mais ce n'est pas Ah! grave parce que le... Oh, le Gale Karaté. Le Gale Karaté, ils vont quand même peut-être y aller. Les loups, pour l'instant, qui tankent la tour, Pupé qui commence à prendre un peu l'aggro. Il va essayer de le bloquer. Il va essayer de le bloquer avec son loup. C'est bien joué. Là, il se passe le call feed, pardon, qui va pour l'instant ne pas bloquer. Oh là 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 là, c'est incroyable, ils vont le chasser sur toute la map, ils cassent les arbres avec les webs de la Broodmother, ils vont essayer de le creep block avec les loups du Lycan, et ça va passer le Farzblood qui est récupéré par Pupé avec son Lycan. Pushy Darvai qui a dansé en le chat. Ah là là, c'est n'importe quoi, la course poursuite, mais qu'est-ce qu'il fait sur toute la... Je pense qu'une petite musique bénie aurait été parfaite dans ce moment-là. Je vous rappelle que Complètement. la truc, elle a commencé ici, et c'est fini là, donc voilà, c'est juste n'importe quoi, bah, tout ça. Et donc du coup on va essayer de deviner un peu quelles sont les lignes des Na'vi parce qu'ils ont quand même eu le temps d'un peu d'apercevoir qu'est-ce qui se passait. Donc ils vont mettre la Brood solo en bas visiblement. Là lui a l'air de rester mid. Non, ils vont mettre la en bas et la Brood mid. Brood mid, d'accord. Ça c'est intéressant de voir une Brood mid. Ouais contre un Storm c'est pas Et mal. un AA Quoique. solo, surtout. Navi Non Dendi. là Dendi il est assez connu, il le fait régulièrement. Oui. Mais ils font aussi des AA sur AA, en fait. Ouais, c'est vrai. Attention à l'enchantress 5 qui est invisible,
qui a vu Dendi, qui a peut-être essayé de prendre le Centaure Éternel, de le surprendre avec, surtout qu'on a Cinéron qui est juste au-dessus avec son Furion. Ce serait trop malin. Oh, ça va être trop malin, regarde. Elle va Oh, prendre le il aurait centaure. fallu. Non, elle va prendre le Ah centaure. oui. Oh, son avis est terminé. Oh, Il est dommage. terminé. Et donc là, ils vont faire juste ce que je vous disais tout à l'heure, c'est voilà, ils vont sortir les armes, le tréant, le centaure, et ils vont juste tuer les creeps derrière la tour. Et pareil pour Dendi, Navi, il hein. avait tout compris, et Navi fait exactement la même chose exactement en haut. Oh là là, c'est un Tinker Marcheur Muffin niveau 2, donc ça va peut-être même être un Tinker ancien, on va voir. Oh là, il s'est fait aggro, le Sandtooth, il a pas son... Oh, il Ouais, arrive c'est bien à... joué. Ouais, c'est bien joué. Oh, quoique. Ok, Non, il c'est est bon. bloqué là. Hein. C'est bon, il va pouvoir manger un deuxième tango et s'en sortir. Il va gagner un peu de temps, pense à la tour en bas d'MW. Va tomber très très rapidement. Ils avaient cette strat une fois contre Mousse, ils avaient gagné en 20 minutes. On va voir s'ils arrivent à nous faire la même performance contre Navi. L'ancienne apparition, où est-ce qu'il est parti? Il est parti jusqu'en haut, il a fait toute la traversée, il va rejoindre ses coéquipiers là-haut. Et ça rappelle un peu ces vieilles games sur Dota où entre Mime et Navi, où les deux équipes finalement étaient juste là pour push, et on n'avait plus de tour sur la map à la minute 15. L'apparition qui a pris l'aggro des creeps, qui va tenter de faire un pull, j'ai l'impression du Faut moins. qu'il fasse attention, hein. Ouais, il prend bien cher. Hein. Fucking map, faut qu'il fasse attention aussi. S'il va partir du bon côté, Dendik, qui va peut-être y laisser sa peau. Non, ça me paraît compliqué, Fucking Mad. Il va essayer de reculer, il a plus de mana. Il va prendre le Gale, je pense, de la part du Venomancer qui lui a toujours pas mis. Ça y est, c'est mis juste pour continuer à le taper. Est-ce que ça va suffire? Il y a Bah moyen, hein. écoute, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'il va s'en sortir un petit peu ce qu'il va. Faudrait que le Gale s'en aille. Il reste plus énormément de temps sur ce Gale. Et comme le Venomancer a pris les wards au level 2, ça devrait lui Ouais, sauver la vie. ça va lui sauver la vie. Pensez à continuer à push en bas. Hein. Ouais, ça T'as jamais qu'à continue. prendre la T2. Ouais, ils vont prendre la T2. Oh, il y va, il va Regarde jusqu'au bout là, hein. le Venomancer. Et Arsort, il va jusqu'au bout, mais JPP. Il y a le Furion qui est en train de TP Cinderen, qui a pas son Sprout, qui a pas son Sprout, qui va juste l'auto-attaque. Est-ce que ça va suffire? Ah, il court plus vite, hein. Ah, il se fait 290 de bloquer! MS. Oh oui, ça Venom. match, ça fait 290 de MS sur le Veno Je pense et que pour l'instant sur le Navi, ils ont Furion. envie de finir ce tournoi assez rapidement. On va avoir droit à des games complètement nawak. Alors complètement nawak. C'est quand même des games qui tiennent la route, avec des line-up qui tiennent la route, hein, mais je pense que Navi ils vont vouloir mettre beaucoup de pression, en fait, très rapidement. Et c'est un peu ce que fait MTW. On peut voir que le Tinker, il est niveau 3, il a son Soul Ring, il spam ses March of the Machine. Et puis voilà. Ouais, Navi qui a envoyé le Venomancer pour l'instant pour défendre en bas, enfin de prendre un peu de level, ils vont continuer à push en haut, ils ont toujours le Lican et l'Enima qui sont maintenant dans les bois adverses, tous les deux. Alors, il y a des Sur son sentries hein, ulti de sur retour. cette enchantresse, la sentry qui vient d'être posée d'ailleurs. Donc ils voient cette Brunozer qui s'est ramené un Soul Ring. Oh, par contre, il s'est fait engager en rôle A par le Furion et le Sand King. Il va se faire récupérer par Fucking Mad. Ça, c'est important. Un deuxième kill fait par ce Sand King qui va avoir besoin de beaucoup de niveaux pour pouvoir aller contre la Brood, tout simplement, et surtout beaucoup de stuff pour être utile. Enfin, pas forcément, mais. Des Boots of Travel par exemple sur Sand King, ça pourrait être très Attends, regarde, intéressant. regarde ce que fait regarde la rune top où la bombe en fait envoie une araignée pour casser la rune si elle pop et pas de chance pour Fundy, elle va être. Ah non, elle est en haut, pourtant bon, hein. J'ai même pas eu le temps de la voir apparaître tellement il a pick up rapidement. Il la spam. Ah, c'est un truc qui se faisait beaucoup à l'époque, les Brood qui envoyaient leurs araignées pour casser les runes et empêcher l'équipe adverse de gang avec les runes. Surtout que si c'est une araignée que vous avez créée avec votre Spawn Broodling, en fait elles ont beaucoup de points de vie. Elles ont 550. Elles ont 450 points de vie. C'est quand même beaucoup moins à tuer, vous Ça allez voir. augmente peut-être entre avec le level, non? Non, mais c'est surtout en fait les araignées que tu fais pop en attaquant, elles ont beaucoup moins de points de vie, quoi. Tu vois, elles ont 175. Enfin, je suis pas sûr que ça augmente avec les niveaux. Non, je sais pas. Voilà, FNZ qui se fait aggro très très loin sous sa tour. Le Venomancer qui est là pour mettre un joli Gale. Et FNZ qui n'est toujours pas level 6 qui va tomber sous les coups de la Broodmother. Le Furion qui a voulu TP mais qui a cancel. Par contre, on a deux personnes qui arrivent. Bah, c'est justement le Furion et l'Enchantress qui arrivent tous les deux pour défendre leur tour. L'Enchantress, tu l'as dit, elle a une sentry sur elle. Des bots qui sont déjà présentes sur ce Veno, hein, qui a déjà rush ses bots, c'est important, ça va vous permettre de bouger beaucoup dans cette partie, d'être moins facilement problème, attention, parce qu'un Veno, ça court quand même pas très vite. D'ailleurs, je pense qu'il a acheté ses bots après s'être fait kill par le Furion qui va plus Bah vite que lui de non mais base. ouais il farm un peu en bas en fait. Ouais, c'est ça. Le Tinker là, qui va être en danger, il y a le Venomancer qui est dans le coin, est-ce qu'il va approcher? Non, Tinker qui recule un peu, c'est bien Il a la joué. ward hein. Il a peut-être vu passer avec la ward qui est juste au-dessus. Qui lui donne la vision sur Ouais, ce je qui suis s'est pas passé sûr, dessus. hein, parce que rien, ça s'arrête là, J'ai vraiment pas où est passé le Venom. Non c'est un vélo qui joue sans le Poison Sting, c'est bizarre.
Ah ouais, il a monté le cake niveau 2. Alors ça c'est vraiment étonnant, c'est quand même très fort. En plus de vous rajouter un peu de dégâts, ça vous rajoute aussi Bah, le slow du quoi. slow quoi. C'est Alors vraiment... que le slow avec le gain en fait n'augmente pas. Donc, ce qu'on préfère faire d'habitude c'est prendre un level dans chaque, comme ça on a les deux slows qui stack, et on slow à l'infini alors que là il augmente juste les dégâts de son gale, ce qui est pas forcément intéressant. Et ça augmente le mana cost en plus donc. Pupé qui est parti dans les bois, il y a une bataille là sur les... Sur les woods, le Tinker qui est dans le coin, le Sprout qui est utilisé, mais puis qui mange direct en un pour s'en sortir. En attendant, il y a toujours le Sand King qui est en haut. Le storm Niveau arrive 5. aussi. Hein. Storm arrive, il a activé sa rage, il fait des micro-bombes. Il est à la recherche. Ah bah c'est V-Cancel, ça y est. Il était à la recherche de quelqu'un. Et donc, une partie qui a beaucoup bougé au début. On a pu voir que les MT de Blue ont pris deux tours contre une pour Navi. Et les MTW bah, qui maintenant essayent de farm, de profiter de leur avantage. On peut voir que le Tinker il est vraiment très avancé, le Furion il peut se permettre de faire les wads, les bois au final, ainsi que l'Enchantress. Donc il y a une personne sur chaque lane et deux personnes dans les bois côté côté MTW, et je pense que c'est très rentable en termes de farm. Alors Ça que peut s'équilibrer, non? bah, y a une personne qui farme pas chez Navi. Les 4 personnes Bah, qui ils farment sont chez Navi, deux 5 chez mid comme il y MTW. a deux mid côté MTW. Bah non, l'Enchantress elle est quand même beaucoup plus dans les bois que... Là ça Ouais, y est, je le sais pas. Tinker il va te TP en haut. Enfin, quand je l'ai dit, ils étaient tous sur une ligne, quoi. Et ça Non, se mais je ressent, on pense peut qu'on voir. est. Bah regarde la courbe des golds, ça augmente bien pour un petit peu. Enfin c'est logique, je veux dire, il y a le Veno qui farme pas, qui prend juste de l'XP. Bah, ils ont 1000 gold d'avance, une tour d'avance, quoi. Ouais, mais ça... Enfin ce Je que je veux sais dire, pas, c'est pour que ça moi c'est. augmente. Ils sont passés à 1500. Je comprends pas pourquoi tu me contredis en fait. Parce que je suis pas tout à fait d'accord. Mais... Bah y en a 5 qui ferment pour MTW, 4 pour Navi. Bah ouais, bah. Bon Bah bah enfin, on voilà. s'en fout. Bah, Hugo est pas d'accord. Dans tous les cas, MTW qui va peut-être mettre un peu de pression, ils sont 4 en haut maintenant. Fendi qui vient d'acheter ses Arcane Boots, qui va juste repartir, le Sand King aussi. Il y a le Tinker qui est en train de faire des pulls. Et le Sand King qui s'en va. Il s'en va, il y a toujours le Furion qui est dans les bois avec son Midas. Ils sont toujours deux au milieu, les Navis. Ils sont toujours deux. Dendi qui est toujours en train de farm haut, qui vient d'avoir son niveau 6. Donc ça va peut-être pouvoir bouger de ce côté-là. Ouais, il y a Sandy qui a envie de bouger aussi. Il est 6, il a de quoi acheter ses arcanes. Et Alors il va en bas. ouais, il va en bas, il les a pas achetés. Ultira qui arrive top. Ah, Ultira qui sur arrive ce... top sur Sox qui vient de prendre. Bah, un black hole. Un black hole, Ultia qui va arriver, le Lycan par-dessus. Il est fini ce soc, c'est aussi Kebab qui arrive. Malheureusement il a l'ulti, il va pas pouvoir le heal. Ouais, Kebab qui arrive à récupérer avec Zinderen cette énigme base, c'est important. Et le Lycan? Putain, le Lycan qui est Ouais. mort. Moi j'avais Ah, pas ils vu. étaient dans les marches à machine en fait, donc les deux sont D'accord. tombés très très vite. Le Venom sort du coup, lui qui est resté mid. La Broodmother qui est passée dans les bois, en train de faire les bois grâce à ses araignées. Elle a pas réussi à push. Faut dire, il y a toujours des sentries hein, du côté des. Enfin, je crois que c'est ça, c'est une sentry. Ouais. C'est une sentry. Ils sont en train de te Ouais, bouger. c'est une sentry MTW, ok. Ils ont quand même tué deux fois le storm, hein, ce qui est pas une mauvaise affaire finalement. Oui, c'est un peu parti en bas sur son king, c'est bon, il va s'en sortir. Ah, c'est une C'est marrant parce tactique. que comme il y a tellement pas de setup de ligne, tous les héros peuvent plus ou moins faire les bois ou quoi. Donc bah tout le monde peut bouger un peu comme il veut. Ouais, c'est exactement ça. Il y a toujours pas il y a toujours pas eu d'anciens fait par le Tinker. C'est un peu dommage. Enfin, de pool ancien, etc. Avec son machin aussi niveau 4, il pourrait vraiment mettre de la pression. Il a pas pris un niveau de laser. Ça, c'est intéressant de noter. Souvent, on le prend juste pour au moins l'effet de miss. Il a travel là. Il a le récip de travel, il va avoir 500 gold, genre maintenant. Ouais, travel 10 minutes, c'est. Enfin, surtout quand. Travel 10 minutes, ça sert à rien quand t'as pas marché machine max parce que tu peux pas faire le combo. Mais là, tu vas déjà avoir marché machine donc tu vas pouvoir beaucoup faire niveau gank qui va être assez léger. Mais Mais il va juste aller sur la ligne, spammer ses roquettes, ouais, mettre des gens low c'est. HP et rentrer à la frontale. Et à ce Exactement. stade du jeu, quand à 10e minute tu prends deux roquettes à je sais pas combien de dégâts elles font, mais ce sera 325. C'est vraiment pas le malin. La tour qui est en train d'être backdoor par Navi. Avec le Furion qui a TP au milieu, est-ce que Fnzy il a une régène, il s'amuse un peu, il essaye de prendre la vision, l'info sur ses navis. Il y a toujours Fucking Mad qui est en bas. C'est incroyable parce qu'ils ont toujours pas gank ce héros. Alors certes ils ont des wards qui protègent, mais le héros il est quand même chez Navi quoi.
Ouais, mais une fois que t'as perdu les tout, enfin, ils peuvent pas vraiment y aller, quoi. Ils sont obligés de passer par en haut. Il y a un seul chemin par lequel ils peuvent passer, qui a une ward dessus. Ah, mais Et je une pense petite smoke. que la vie est complètement au con qu'une. Ouais, mais ça reste un certain ils vont. Ils perdent plein de temps. Ouais, Oh, par bah, exemple, ceci quand dit, c'était le Tinker. là, là. Ah, voilà. Et quand c'est Tinker, ils avaient personne pour le coup. Enfin, l'ennemi main était occupé top, il avait pas traversé toute la map pour tuer le Tinker. Et c'est un peu le seul qui pouvait le faire, quoi. Ils vont pas long avec un ancien apparition seul. Il y a le Veno qui va peut-être plus s'y prendre. Oh, ils vont faire Roshan. Bah, ils sont en train de faire Roshan, les MTW, March of the Machine. Qui marche sur Roshan, il y a déjà un médaillon sur sur cette enchanteresse. Un mec a expliqué en préparation sur Furion d'ailleurs. Et c'est ça, quand vous avez tellement d'euros qui peuvent faire les bois comme ça, bah vous avez forcément un accès à Roshan hyper facile. C'est Storm qui va récupérer la vie, je pense. Moi je. Ouais, le Storm, j'aurais bien pu le Tinker aussi. Il aurait Ah, permis d'être. c'est vraiment, vraiment très très fort sur Storm et Aegis. Déjà c'est un héros très fragile, en plus il rip up full HP, full mana, donc il a vraiment encore. Il peut continuer en gage après, après avoir perdu la Aegis, c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment le meilleur héros pour porter une Aegis. Putain, mais le Venomancer qui a pris son ulti niveau 6, quoi. Enfin, je veux dire, what the fuck? Ouais, je sais pas trop ce qu'il lui prend, bah d'ailleurs il se fait engager. Mais un ulti avant de mourir, eh bien non. Puisque tu vois, enfin, c'est étonnant, un ulti hack qui a été assez bien placé, qui a touché le Tinker et le Furion. Malheureusement, il n'y a personne pour engager derrière et pour essayer de leur faire des dégâts. Ils vont perdre la tour. Et MTW qui est très bien, tout simplement. Ils ont tué que 5 personnes, ils ont un kill d'avance, mais ils vont avoir une autre tour d'avance. Parce que Navi a toujours pas réussi à prendre de tour, ils ont surtout le Roshan. Donc là, l'avantage de Gold qui va vraiment devenir en faveur de MTW. Ils sont en train de retirer l'argent de la banque, comme on dit. Et puis ils sont en train de prendre des tours une par une. Ah, mais ce qui est dommage, c'est que Navi décide pas de push au départ en fait. Enfin. Bah, ils peuvent y a pas la broute, vraiment. Défendre, enfin, mais la broude elle met du temps à arriver à haut. Ils sont beaucoup à être sur place et personne qui fait enfin, pas grand chose. Il y a l'ultia qui va arriver. Je pense qu'ils vont essayer peut-être d'engager avec. Sauf le qui revient de s'en aller. Putain, j'ai qu'à essayer de l'esquiver cette ultia. Ça ne fonctionnera pas. Le Tinker qui RTP au mieux, qui apprend direct à ma fille, c'est l'Enigma qui passe faire littéralement one shot après le grab. Du Storm, c'est pareil pour le Venomancer qui est dans le sprout, qui devrait peut-être mourir. Non, ça va pas enchaîner du côté MTW. Ils ont juste décidé de reculer, surtout que le Tinker est pas très bien. Il est en train de TP à la base. Il y a toujours le Sand King et le Storm qui sont dans le coin. L'Enchantress, c'est un peu pareil. Qui est Colfit d'ailleurs, mais elle s'en fout. Et le Sand King qui va être obligé de. Enfin, c'est vraiment bizarre, je trouve. Parce que c'est vraiment l'équipe qui nous a appris finalement que bah quand on perd une tour, il faut pas rien faire, il faut en prendre une en échange. Et c'est eux qui ont expliqué ça au Dota européen et là c'est exactement ce qu'ils ne font pas. Hein. Ils sont du mid à essayer de défendre une tour qu'ils peuvent pas vraiment défendre. Finalement ils concèdent un kill gratos et ils perdent une tour. Voilà, c'est ça. Alors pourtant avec Lican et tout, enfin avec Lican et Enigma ils peuvent prendre une tour en 2 secondes quoi. Ils auraient pu aller en bas, ils auraient pu. Ils avaient pas mal d'options quoi, ils ont décidé de ne rien faire du tout. Assez étonnant. Un Vladimir qui est en préparation sur ce Lycanthrope d'ailleurs. Ultimate top, first item, par ancienne apparition. Très bien. Pourquoi pas. Pas de bot, hein, mais qui a son préparation sur cette Enigma. Est-ce que l'Enchantress va rush? Je pense qu'elle va partir directement sur un Aga derrière, parce que le Furion, si je dis pas de conneries, est sur le. Le mécasme est sur le Furion, c'est ça. Le mécasme d'ailleurs qui a été fini. Alors ça y est, Navi qui va venir mettre de la pression au milieu, le Tinker qui a cancel son TP, et je pense que voilà, Navi vont pouvoir prendre une tour, quoique. Quoique, il y a un Uchiha qui est en train d'arriver, le Furion qui a le Storm qui est engagé, faut faire attention. C'est parti pour le Sand King qui vient de se faire dust. Le Storm il va pas très bien, il va perdre son Aegis, voilà, Pupé il est encore au milieu, il est en lance brute, il arrive à manger, qui va. Un stun va arriver, le stun va arriver. Oh, le stun est loupé. Oh, il va trop vite. Oh, l'Impetus. Oh mon dieu. Il avait 225 HP, le Impetus ça fait 235. Pas de bol. Comme c'est des dégâts purs. Ouais, c'est comme c'est des dégâts purs, bah il est mort, tout simplement. Bon, la tour a fini par tomber quand même, pour Navi. Mais par contre, ils vont perdre une tour, eux, en haut, les Navi. Mais ils ont concédé un kill. Ils ont concédé un kill. Ils ont tué le... Enfin, ils ont fait tomber la Aegis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, ils vont peut-être même perdre la deuxième, parce que je pense que MTW a envie de continuer là-dessus. Il y a toujours le Tinker qui met beaucoup de pression en bas, et ça oblige un héros à être là. En fait, il fait un peu le rôle d'une boule, là, ce Tinker, c'est marrant. Complètement. Mais ils sont passifs, hein, c'est incroyable. Ils... Ouais. Je suis d'accord. Il y a toujours pas d'ulti Venomancer, quoi. Les wards niveau 4. Bah, prendre les wards niveau 4, c'est logique. Maintenant, prendre ouais, les game niveau 3, c'est plus difficile. Voilà. Je veux dire, moi, je préfère encore avoir les wards niveau 3 et un ulti qui va arriver. Est-ce que ça va engager? C'est engagé derrière. Le Furion qui a pris déjà beaucoup de dégâts qui va peut-être tomber. Voilà, c'est fait. Un ulti SK qui est en préparation qui va venir et qui va prendre le Venomancer qui va littéralement le one shot. Il était aussi
C'est aussi le Lican qui est tombé assez rapidement. Funzy qui va venir récupérer cet ennemi-là. Le buyback du Furion qui va leur permettre de tuer cet ennemi-là. Il y a déjà eu 3 kills récupérés par le Sand King. Et la tour qui devrait tomber derrière. Très bonne opération de la part de MTW. Alors il y a eu un buyback du Furion certes, mais ils vont perdre la tour. Et la MTW là, mais c'est... Enfin... Attention au Tinker en bas. Il y a la brute qui était cachée dans les bois qui va peut-être essayer de lui tomber dessus par derrière. Elle est pas dans ses toiles. Le Tinker, ça va passer. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que là, pendant cette fight là, la brute est dans les bois en train de farm dans les bois. Tu vois, genre même pas en train de push, de mettre de la pression ou quoi, juste AFK dans les bois. Ouais, et pourrait venir juste chasser ce Tinker par exemple. Non, je sais pas. En même temps, chasser un Tinker avec une brute, c'est compliqué, mais. Oui bien sûr, mais bon ça rien ne t'empêche de repousser la ligne pendant qu'il est pas là, enfin etc. Quoi. Le Tinker était à l'autre bout de la map. Hein. Bizarre. Alors, la Blue Zone qui va arriver je pense sur ce storm, il était à 1000 gold tout à l'heure. Bah il a assez là. Hein. Non il a assez, bah il a ah, le... Oui, il a... Ouais, non, il a acheté le point de booster, c'est pour ça qu'il est retombé. Et là, il a juste assez pour son Vitality. Il va disassemble ses Arcane Boots et avoir sa Blue Zone 16 minutes. Il va pouvoir un peu s'amuser. Ah il est bien, il est très très bien. On a vu aussi le Force Staff hein, complété par Stinker. Qui a pas beaucoup d'argent, je sais pas s'il se ramène une chose ou s'il vient juste de le compléter. Rien de plus pour cette enchantresse. Et en face. Là, il fait un rush X. Il a envie de faire un X très rapidement pour gérer le storm. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Il a fait first item Ultimate Orb. Il part maintenant sur une Void Stone. Il lui manque en gros 1700 gold pour avoir Ginzo. Alors, il n'en est pas très loin. Il est quand même relativement bien farm. Cette ancienne apparition. Faut dire, il est quand même bien AFK. Hein. Je pense qu'en termes de level, ça doit être le plus haut. Non, il y a la Brood aussi, là, et puis, enfin, tu regardes. La Brood Orchid d'ailleurs. La Brood Orchid, alors ça c'est important. Ça c'est important, et surtout, c'est important que Light of Heaven parte sur Orchid, ça donne un peu une indication. Elle va pas faire BKB, elle va juste faire Orchid et elle va considérer qu'elle va pouvoir quand même participer au fight. Ça me paraît compliqué quand même de la part de cette Brood Mode. Oh putain, les dégâts qu'elle a pris dans les. On est marcheur de machine. Plus ulti furion. Mais non. Non, même pas. Juste, il y avait deux stacks de marche machine, elle lui prend 3 robots d'un coup parce que c'est un peu random là. Il se trouve. Les amis sont en ce moment qu'ils attendent que le Tinker revienne top. Mais pendant ce temps-là, ça push en bas, les copains. Et le Tinker, il a TP en bas. Lucifer, d'ailleurs, qui va tracer toute la map pour les rejoindre. Ils ont tous des TP, c'est bon. Le problème, c'est qu'ils vont perdre pas mal de HP gratos sur la tour. Ulti qui va faire bien mal parce qu'il a bien traversé toute la carte. Il est bien gros, sauf que ça coûte très cher. Il va TP Fontaine. Oh, c'est engagé sur cet ennemi qui s'est fait récupérer par le Sand King, il va peut-être se faire one shot. L'ulti Lican qui vient d'être arrivé, c'est l'orc qui est mis sur le storm qui peut pas faire grand chose. Ça est l'orc qui vient de disparaître et c'est en train de contre-engager du côté MTW. L'ulti du Venomoteur qui a enfin été mis et ça va peut-être un peu obliger les MTW à reculer. Surtout si un ulti arrive, ah non, il n'y a pas d'ulti à malheureusement, mais les MTW ils vont rester. Je pense qu'il y a un mécasme qui devrait bientôt arriver. Non, il a déjà été utilisé. Oh là, c'est parti sur Dandy. Dandy qui est un peu tout seul, qui a mis Cold Feet sur le Furion. Non, ça ne va rien se passer. Il est juste venu mettre les tréants. Pas de heal, pas de mécasque, mais en tout cas, ils sont toujours bien. Le Tinker qui a TP top pour dépush un peu tout ça. Ouais, bah ils sont très haut, très bien. C'est... J'ai mal à voir comment Navi va remonter parce que. Bah... Je sais pas. Ils ont beaucoup de tools pour gérer le storm, certes, ils ont leur kill, ils ont le X qui va pas tarder à arriver, mais ils ont pas grand chose pour gérer le push. Mais enfin, même en termes d'XP, ils sont complètement out level, hein, les... Excuse-moi, les Navi. Deux niveaux 8, un niveau 9. Alors qu'en face, ils ont déjà 3 niveaux 12, les MTW, il y en a qu'un du côté Navi. Enfin, ça... Leur défense va être très compliquée. Je pense que ces Navi, ils ont moyen de s'en sortir. On les connaît. On sait qu'ils sont très forts en défense, les Navi. Et bon, on va voir. Ouais, certains gens ils ont posé une sentry pour voir les loups du Lican pour pas se faire cancel la dague du Sand King. Les loups du Lican sont invisibles à partir du niveau 7 et c'est un très bon moyen d'aller cancel la dague d'un Sand King en train de préparer son épicenter. Ouais. Voilà, vous pouvez voir que là les loups ils sont invisibles et d'ailleurs ils vont être vus, ils vont se faire direct. Focus, donc ça c'est intelligent de la part de MTW, c'est important. La tour qui vient de tomber, les MTW qui sont toujours là, le Tinker qui est arrivé, qui continue de mettre des marches de machine, et là c'est très compliqué de venir défendre. Et heureusement que c'est Ward, oh ça va encore engager peut-être sur cet Enigma, c'est parti. Le Sand King qui a reculé, un ulti qui va arriver, oh, qui est très bien placé, qui va récupérer Storm. Le Storm qui va mourir instantanément, c'est pareil peut-être pour le Sand King. Sand King qui est pas bien, qui va tomber sous les coups du Lycanthrope, les MTW qui sont un peu en retraite, qui vont essayer de s'en sortir. Et par contre ils sont dans les marches de machine, les Navi. Ils vont perdre d'ailleurs le Lycanthrope qui a pris un
nombre de dégâts complètement abusé. Bah, la différence entre ce fight là et celle d'avant, c'est que l'ancienne apparition est passée level 11. Il était en train d'afficher enfin, au milieu pour passer son 11 justement. Donc, et c'est un ulti 11 qui est arrivé. Ouais, c'est un ulti level 2 qui est arrivé et ça fait bien plus mal qu'un ulti level 1. Mais bon, il y a le Hex qui a pas tardé à arriver sur le Tinker. Ça devrait plutôt bien se passer. Parce qu'il a acheté quoi? Il a acheté Ultimate Orb. Il a acheté, d'accord, juste Ultimate Orb. Bon, ceci dit, la vie est quand même pas si mal que ça. Ils viennent pas trop mal s'en sortir. S'ils arrivent à gagner un peu de temps, on va voir si la Brood a réussi à tuer le Tinker qui tente de TP ou pas. Je ne pense pas. Oh, elle a pu lui cracher dessus, elle aurait dû le faire avant. Ouais, parce que ça lui aurait mis. Enfin, avec le Tia, ça aurait suffi peut-être, ouais. Là, il termine à 260 HP. S'il avait pris une attaque de moins et un crachat à 300 de dégâts. On a toujours la bluestone hein, sur ce Storm Spirit qui est vraiment importante, le Valadmir qui a été terminé entre temps par le Lycanthrope. Ça y est, Poison de Sneak qui est arrivé, donc il a pris un Venom's Gain du coup. C'est très étonnant. C'est très très étonnant de la part de notre ami Arsart. Ah, ça se prépare en haut. Sand King, est-ce qu'il a une gemme? Non, il n'a rien pour voir là. Il a fini un Vanguard d'ailleurs. Oh, c'est pas une mauvaise idée. Ouais, quand t'es contre une Brood, c'est une, même une très bonne idée à mon avis. Enfin, même en général d'ailleurs. Roshan est de retour. Ouais, et Roshan est en train d'être fait par MTW. Ils ont pas été scout, je pense qu'ils sont pas au courant. Peut-être qu'un Lucia va partir. Il en est où là? Lucia, il est disponible. Est-ce qu'il va l'envoyer? Non, je sais pas. Le Furion qui TP sur les Tréants. Et ils vont pouvoir se faire. Sur Roshan, surtout qu'il y a aucune arme. Navi, ils ont aucune vision. Sortir, ah bah ouais, voilà. Ils ont aucune vision, les Navi. Ils en ont même pas autour de leur passe pour essayer de prévoir un peu les moves des MTW. Ils sont blind, tout simplement. Ouais, c'est pas vraiment de ça qu'ils ont besoin. Je veux dire, le V-Monster est double rasseur plutôt que d'avoir des wards, je pense que c'est pas une mauvaise idée. D'avoir ce petit bonus de survivabilité, parce qu'il y a quand même les marcheurs machines qui font très mal, l'ultiféron qui rebondit sur tout le monde. Ils ont pas mal de trucs qui font mal à tout le monde, quoi, donc c'est pas une mauvaise idée d'avoir pas mal de HP sur ces supports pour éviter les dégâts collatéraux. Alors les navis qui sont en train de push en haut. Alors ça c'est intelligent, mais malheureusement je suis pas sûr qu'ils aient le temps. Il y a le Tinker qui est en train de mettre des marcheurs de machines déjà. Ouais, ça passera pas. Ah, quoique il est pas bien placé. Ouais, il est pas bien placé l'équipe. Mais il va devoir TP. Ah, ceci dit, il nettoie quand même la moitié de la fac de cul. Va falloir qu'ils reviennent. Mais en tout cas, les Navis, de toute façon, ils ont TP en bas. Au moins la Brood, le Lycan, il est toujours là. L'Enigma, il est en train de TP. Et Pupé, il se dit, j'en ai rien à foutre. Moi, je vais prendre cette tour. De toute façon, je ne sers à rien en teamfight. Le Tinker qui est en train de TP. Ils vont venir mettre de la pression. Ils vont commencer à attaquer. You are welcome, je ne sais pas trop pourquoi. Et les Racks, ils avaient 8 wards vélo et. Et les Aedolon qui les attendaient en haut de la colline. Oh, l'ultimédo qui a été lâché très très tôt. Peut-être avant l'ultia, prévision de cette ultia qui va pas tarder à arriver. Je sais pas où Eden dit. Alors, malheureusement, l'ultimédo qui a touché que le furion. Hein. Ouais. Ouais, c'est. Oh, les Rex, c'est pas de mal, les gars, pour l'instant. Oh, le Storm qui a décidé d'engager, c'est parti sur l'anima. L'anima qui va tomber immédiatement, l'ultia qui arrive derrière, mais qui ne va toucher absolument personne. C'est très mauvais pour l'anima. Oh, l'UTSK qui a fumé cette Brood Mother et qui a mis très très low HP ce Venomancer. C'est pareil pour Pupé qui va tomber aussi, double kill récupéré par ce Storm Spirit, triple. Ultra kill. Non, il va pas y aller. Il va pas y aller, mais en tout cas, il y a déjà 3 morts du côté des Navi. 4 avec le Lycan qui s'est buyback, je pense. Buyback aussi du côté du Venomancer et MTW. Je sais pas où ils sont tous. Le Furion a TP à la. A TP à la fontaine, il va re-TP. Il va revenir, et là c'est parti sur le Venomancer qui va se faire littéralement one shot. Une fois de plus, récupéré par le Tinker, et ils sont deux pour le moment les Navis, et ça va être compliqué. Alors, il n'y a pas encore eu énormément de dégâts, mais ça y est, les Racks sont en train de tomber. Ouais, et là ils sont que deux en vie. Alors, lui, là, il est de retour, il a son ulti. Peut-être tenter d'y aller avec, ils ont le Black Hole aussi. Hein. On a pas eu beaucoup de Black Hole depuis le début de la gamme, mais il y a trop de marchands machines. Ouais, voilà, c'est trop compliqué pour cette Enigma de rentrer dedans. Comme tu dis, le Venomancer il s'est fait des brasseurs pour résister à ce marche-machine, mais l'ennemi il a juste un mécasse pour y résister et un brasseur. Il se fait littéralement trop fumer. Et puis il y a beaucoup de monde aussi qui peut le cancel, je pense. Enfin, il y a le. Ouais, non, il y a le Sun King et le Storm. Bon, oh, honnêtement, l'Enigma. Attention, un pupé mid. C'est fait. Ça, c'est fait. L'Enigma a vraiment été très mauvais. Enfin, il est mort trop de fois en se faisant pick-up comme un guignol. Il a jamais pu participer au fight, jamais pu mettre un seul stun en fight. C'est vraiment. On a joué de sa part. Non, il est à combien notre ami Il est à 1-6, 0-6 pour le Venomancer. Et Navi, bah, qui est tout simplement en train de se faire. Ils sont bloqués chez eux. Ouais, voilà, marcher dessus. Merci. C'est exactement le bon terme. Bien, le Veno, il y a pas de marche à la machine. Ils sont bourrés.
Ouais, je sais pas ce qu'ils sont en train de nous faire là, les Navis. On est l'habitude de voir la meilleure équipe du monde, et là on a une équipe qui genre fait déjà beaucoup d'erreurs et enfin, c'est assez étonnant quoi. Ça m'étonne, enfin, ce qui m'étonne c'est qu'on a l'impression qu'ils ont pas envie de jouer, et ça m'étonne presque qu'ils aient pas encore dit GG. Bah ouais. Parce que là, mais ils sont loin d'avoir perdu cette partie, hein, mais ils peuvent encore revenir quoi, mais il va falloir beaucoup de teamplay. Ça me paraît compliqué. Un BKB cependant sur cette Brunmother, ça c'est important. Voilà, ça peut les aider. Ouais, ça peut vrai. Bah, c'est sûr même. Ça va les aider. Ça va pas de pas les aider, ça c'est sûr. Voilà. De toute façon. On va faire de mal. Mais ouais, je sais pas. Enfin, les MTW ils sont bien en avantage gold, on est arrivé à presque 15 000 gold d'avantage. Et ça va engager Light of Aeon qui vient de mettre son BKB, qui va partir sur ce SK qui esquive. Par contre, c'est le Storm Spirit qui fait le carrément one shot. Il a toujours la Aegis, il vient de tomber. La Aegis qui va revenir, Cinderella n'y est pas très bien. Le Black Hole qui a utilisé un beau Black Hole cette fois, qui va prendre le Furion, le Sand King qui va peut-être permettre de tuer le Sand King. En attendant, il y a toujours de l'action. Et je pense que le Lycan et le Venomancer ils sont tombés. Le Sox qui fait énormément de dégâts avec l'Enchantress, c'est vraiment le bordel. Le Tinker qui va essayer de s'en sortir, il a pas son force à Fogus sans soupçon, il vient de se faire récupérer par Brunmother. Triple kill de la part de cette Brunmother. Et voilà, le BKB qui les a vraiment aidés, le buyback du Tinker, ils sont encore trop en vie. Est-ce qu'il y a un buyback sur... Non, ça marche pas. Un buyback sur ce Furion. Le Furion, oui, il a un buyback. 800 gold, il a pas de buyback. C'est trop cher pour lui, mais ils n'auront pas de lui, ils n'ont pas besoin de lui, hein. Il n'y a plus que la boule en vie, ils vont tous revenir d'ici quelques secondes les navis, mais je pense que d'ici là, leur axe sera au moins mal en point, peut-être même terminé. Et en tout cas, il y aura déjà des marchands machines pour la protéger. Oh, il y a triple TP offensif. C'est plus qu'à TP en premier, qui a sorti les loups, et le silence qui est parti sur Frenzy. Il faut réussir à le slow, voilà, le Gale qui va réussir, c'est bien joué de la part du Venomancer, et l'Orchid qui se termine, Frenzy qui stresse un peu, et qui s'en va au loin. Et qui va à l'autre bout de la map. Lucia. Lucia, ceci dit, grâce à ses petits jumps. Ouais, et qui va les esquiver. Bien joué. Pourtant, c'était compliqué de poser cette Lucia, je pense. Ouais, c'était bien tenté. Hein. Ah, bien sûr. Alors, Sox qui fait toute la forêt avec ses March of the Machine. Ouais, il est plutôt tranquille en plus, ça vient de repas. C'est complètement infâme. Alors, est-ce qu'on a des nouveaux. BKB sur le Storm. BKB sur le Storm. Alors, ça, c'est important. Il y a une pipe aussi qui a été terminée sur le Furion. Il a gagné sur l'Enchantress, oui. 50 gold. Il a gagné sur l'Enchantress, le SK il nous a fait quoi? Une urne et c'est tout. Tech sur le Ticker aussi. Ah non, un Vladimir, pardon, il a fait un Vladimir le Sand King. Ouais, c'est pas une bonne idée, ils ont eu plein d'invocations. Fait tanker un peu plus, c'est vraiment pas une bonne idée. Blade of Actis sur la boule de moteur, est-ce qu'on a d'autres objets importants? Le Ginzo qui a été terminé sur Dandy, je sais pas ce que tu viens de dire. Ah non, moi j'avais dit sur le Tinker. Sur le Tinker, ok. Sur Dandy Ginzo, ça va les aider. Malheureusement, ils ont qu'une personne en cochon. Hein. C'est un peu dangereux. Ouh, le bloc qui est réalisé sur Cinderen qui va se faire récupérer par la Broodmother. Est-ce qu'ils vont essayer de l'engager? Oui, oh, le silence qui est parti. L'ulti du Sun King est parti où? Oh, il est parti sur cette Broodmother, mais il est parti que sur cette Broodmother qui était en BKB. Ça lui a rien fait. Ça lui a strictement rien fait. D'accord. Et c'est tout quoi. C'est pas le meilleur ulti. D'ailleurs, on va perdre l'Enchantress. Ils peuvent pas vraiment l'aider. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, Navi est en train de remonter. On ne sait pas comment ils font. Alors là, faut dire. Ils ont fait n'importe quoi pendant 20 minutes. Ouais. Mais MTW, là, enfin, je veux dire, ils ont à aider ce Furion. Il y a juste Brunmother derrière. Ils ont quand même beaucoup de contre-engages avec un Storm, un Tinker et le March of the Machine, un ulti SK. Je pense qu'ils peuvent vraiment l'aider. Malheureusement. Alors Tinker, il est mort aussi pendant la fight. Je sais pas trop où. Bah, il farme à une vitesse en fait. Light of Heaven. Il y a eu le Sand King qui est parti devant sur la Brood et le Veno. Et derrière, le Storm et le Tinker ont engagé derrière. Bah, c'est mal terminé pour eux, je pense qu'ils n'avaient pas anticipé le Hex de l'ancienne apparition. D'ailleurs, l'ancienne apparition est partie top. Il est parti chercher peut-être le Storm. Et il se fait Call Fit Hex. Il prend l'ulti aussi par-dessus. On a l'ulti Lycan qui a été posé. Est-ce qu'il va réussir à sortir? Oh bah non. Oh bah non, il va sortir. Par contre, Sox a TP pour venir l'aider. Lui aussi, il a eu son ex pour tenter de s'en sortir. Le Fion qui tente de TP, non, il va cancel. Ça va passer pour Navi. Attention à Dandy qui prend quand même bien cher. Et on regarde un peu d'engagement. Il y a aussi de la fight, ouais, sur le Sand King. Le Sand King qui s'est fait go par Venomancer et la Brunmother. Brunmother qui va essayer de s'en sortir. Le ship qui est parti, est-ce que ça va suivre? Le Storm Spirit qui est revenu, qui a fait un jump énorme. Ils vont réussir à la fumer. Ça, c'est important. Est-ce qu'elle a de quoi buyback? Non.
Il a 250 gold en banque et ça va peut-être dire au MTW, allez, on va au milieu. Ouais, 70 gold. Ah, ils ont 70 gold, exactement. Le Sand King est forcé de retourner à la fontaine, c'est un peu dommage. Ouais, c'est dommage. Alors, faut dire, autant, tu vois, la dernière partie, ils avaient 4 Arcanine, bon là, ils en ont 2. Ah, ils en ont 2 quand même, non? Ouais, ouais, moi je pense qu'il aurait pu rester. Il y avait Charge d'Urne, il avait. Il enchantait, il avait Mécasme, enfin. C'est ça. Il y a de quoi, hein. Il y a de quoi rester, c'est un peu dommage. Mais ça va bien retarder leur prochain. Est-ce qu'il avait son ulti en plus? Il avait son ulti, ouais, c'est dommage. Qu'il soit pas resté. Ah non, il a travel. Travel. Ok, pardon. Il a travel, notre ami. Règle au problème. Ouais, c'est vrai qu'on règle. Il va être là en même temps que ses potes. Alors par contre, il y a déjà la défense. Hein. On peut voir que derrière, Arsène est très très organisé avec ses bras. Alors même si la Rax commence déjà à prendre des dégâts, l'ulti qui va arriver. Et MW qui a réussi à reculer au bon moment. Ça fait 45 secondes encore sans ulti maintenant. 10 secondes par contre sur cette Brunozar. Il va falloir qu'ils se dépêchent MTW, je pense qu'ils veulent juste essayer de prendre cette Rax. On a pu voir que la Brunozar a eu un impact énorme sur la dernière fight. Oh mais la Rax est tombée, c'est bon. La Brute qui revient maintenant, je pense que MTW va peut-être juste essayer de reculer. On doit être très proche du prochain Roshan, oui, il reste quelques secondes dans le prochain Roshan, ils vont juste aller le faire je pense. On allait finir cette game. Alors, pas de nouvel objet hein. Du côté MTW, j'ai l'impression que je suis pas sûr d'avoir loupé grand chose. Côté Navi, pas grand chose de plus. Il enfin, y a un BKB en préparation, il manque 1300 gold, excusez-moi, notre ami Pupé. Et la Brood Mother, je crois qu'elle avait juste acheté un Yasha, elle est morte avec que l'âge de thune, voilà. Elle est morte avec 250 gold. Donc, bon. On va voir s'ils décident de défendre Roshan. Je pense que s'ils défendent pas Roshan, je vois pas comment est-ce qu'ils peuvent tenir quoi, avec le Storm Aegis et tout. Bah, tu veux dire, ils sont pas partis faire Roshan. Ils ont pas vu ou quoi? Ah, ça y est, ah, si. Fenji vient de le scout. Ouais, mais il y a un loup dedans. Qui a de la vision. Parce qu'ils ont pas de gem, hein, ils ont. J'ai pas vu de gem, je crois. Non, il me semble pas. Donc Navi est au courant. Alors, est-ce que Navi va essayer d'y aller? Je pense qu'ils ont peut-être de quoi, hein, une Brood Mother devant, ouais, avec BKB, un ulti AA, un ulti Veno, un Black Hole? Pourquoi pas un Black Hole? On a pas vu beaucoup. Ils peuvent y aller, ça va engager sur ce Lycan, faut pas qu'il se fasse one shot. Le BKB qui est utilisé sur le Storm, ils vont réussir à venir littéralement one shot. Un BKB qui est posé, malheureusement. Ils prennent deux héros. Il y a un UTSK qui est arrivé dans le tas qui va permettre de peut-être fumer ce Venomoteur. En attendant, c'est l'Enchantress qui est tombé. Le Furion, il essaye de TP out, mais ça va passer. La Brunmother qui va récupérer un double kill. Sauf que ça, il est pas très bien avec son Tinker, il va tomber triple kill pour cette Brunmother. Et le Furion qui re-TP au milieu, ils sont 3-4 avec le Tinker. Et la Brunmother, elle va tomber. Ça va être un. Je sais pas, 5-3 plus ou moins, il me semble, oui. Tinker et Storm qui ont bagué tous les deux. Tinker et les Furion, pardon. Ouais, voilà. Et le Storm est juste complètement incontrôlable. Ils ont aucun disable, enfin, ils ont un Stun Enigma. Et un Ginzo, c'est à peu près tout. Et voilà, et ensuite ils ont Ginzo plus Orchid qui sont arrivés. Mais il fait absolument ce qu'il veut, quoi. Si la fight dure un peu, il fait absolument ce qu'il veut. Là, l'ancien Varisseur a tout mis sur le Tinker, alors il a réussi à tuer le Tinker, très bien joué pour lui. Mais du coup, il restait quand même le Storm en vie, et bah, ils vont juste aller finir les Racks. Et je pense quand même la Sirène qui s'aventure en dehors de la base, il va juste le tuer et le tuer. Du coup, bah, un pic très intéressant d'avoir MTW. Ce Storm qui rentre pas parfaitement dans la game, vu qu'il y a rien pour le contrer, absolument rien. Ouais, non, mais c'est. Alors, ça a été de la speak, hein, et le GG 34-09 qui a été énoncé par Navi. Ils vont venir fight juste pour l'honneur. Pupé qui essayait de se barrer de la base et qui s'est fait faire un one shot. Ça va être pareil pour Venomancer. Ah, il voulait faire une stratroche. D'accord, donc c'était bien ce qu'on se disait. Ouais, bien sûr. GG Fancy. GG Fancy. De la part de Fancy. Et donc, MTW qui s'impose, ça va faire 2,5 à 0,5 pour MTW. Non, je vous rappelle pourquoi j'ai 0,5 pour les personnes qui sont arrivées entre temps. Sans doute qu'il y a la deuxième game qui est toujours en cours entre MTW et Navi. La game qui a planté en fait, il y a une save qui est en cours. Et on va avoir le droit, je pense, à cette game maintenant si Valve va réussir à régler le problème. Sinon, on devra prendre une décision. Et le Storm qui est au milieu qui est trop content. Fundy qui est juste trop content. Non, mais c'est bien joué. Maintenant, c'est vraiment bizarre la façon dont on a bien joué. Hein. Je sais pas s'il y avait vraiment une raison. Genre, il boudait ou je sais pas trop quoi. Mais on les a pas trouvés comme d'habitude. Et que c'était. Je sais pas. Mais vraiment très étonnant. Je vais arrêter le record.